bienvenue sur la chaîne FC Chris. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On est à l'extérieur. Comme vous le voyez, je suis en tenue de sport, maillot, jogging et les chaussures. On va faire une vidéo IRL comme vous me l'avez demandé sur tous les réseaux. Ça va les chevilles. À cause du Covid, on sait que le foot nous manque tous et les entraînements sont arrêtés. Je vais vous proposer de venir avec moi aujourd'hui pour faire un petit entraînement de foot. Il y a une partie qu'on va faire à domicile sur le terrain. Je vais installer des petits exercices et les buts après, ça va être plus facile. Et ensuite, on ira au city du village pour faire des petits exercices. Si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre like, à vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification. On va commencer par faire une petite course grâce à l'application Adidas Running. Attention, je suis pas sponsorisé par Adidas Running, même si j'avoue que j'aimerais bien. On va courir un petit peu les gars, c'est parti. Allez, on est parti pour courir un petit peu les gars. Oh les gars. Ah, je vous promets les gars, ça fait trop du bien de courir. J'arrive à la fin de ma course là. Comment vous dire, ça fait trop du bien. Une petite course comme ça avant l'entraînement. Ça y est. Ça fait du bien de courir. Hop, c'est bon, j'ai arrêté ma course sur Adidas Running. Bon, j'ai couru en tout 6,12 km. En vrai, je suis pas vraiment crevé parce que j'ai pas couru à une allure super élevée. Je vous affiche le rendu de ma course juste ici. Comme ça, vous pouvez voir tous les détails et voilà. Allez, on rentre à la maison. Pour le premier exercice, on va commencer avec un truc super simple, c'est les jongles. Les jongles, c'est super bien parce que ça permet de travailler la technique et la maîtrise du ballon. Donc là, j'enfile mes crampons et c'est parti. Bon, premier exercice terminé les gars. Bon, j'avoue que ça a été un peu crevant parce que ça fait un petit moment que j'ai pas jonglé. Va falloir que je répète ça plusieurs fois dans les prochains jours. Ça va être un truc très très simple, c'est le gainage dynamique. Donc c'est à dire hop, tu reviens en bas, tu reviens en haut. Allez, on est parti pour 3 séries de gainage de 30 secondes. Dynamique, c'est parti. Les gars, on est parti pour du double contact, c'est très simple. Double contact, c'est une touche de balle, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Travaille aussi la technique, conduite de balle, c'est parti. Allez, prochain exercice les gars, on est sur du slalom. Désolé, j'ai fait avec les moyens du bord, on n'a pas de poids à la maison. On va faire dans un premier temps un slalom du pied gauche entièrement, après tout simplement du pied droit. Et après on pourra intervaller slalom pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et ensuite s'ajoute à ça la finition, une petite frappe, une petite passe, enfin pour finir dans le but tout simplement. Ça se voit que t'es plus gaucher en fait. Allez,
Allez les gars, dernier exercice à domicile. Ça va être tout simple, là vous voyez, il y a plusieurs portes. Et en fait, il y aura quelqu'un qui va m'annoncer les portes. Là ça va être, pour celui-là, ça va être France. Là-bas ça va être chaussures, vu que c'est des chaussures. Là-bas ça va être but, et là-bas ça va être voiture. Tiens à préciser, cet exercice travaille la conduite de balle et aussi les passes et la précision. Ok, allez, on arrive pour la deuxième partie de la vidéo. Là, on est parti du coup sur le City. On va faire dans un premier temps un premier exercice avec une passe contre un mur avec une seule touche de balle. Ensuite, on va directement enchaîner avec une passe contre le mur, plus conduite de balle, plus une autre passe dans un autre mur. Et on va finir avec un dernier exercice où est-ce qu'on va faire des frappes directement dans le but. Bon maintenant les gars, on est au petit moment où est-ce qu'on va répondre à vos questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et vous avez été plutôt nombreux à me poser des questions en thématique avec le football. T'as déjà joué en club, ton poste et ta paire de chaussures favorites? Alors oui, j'ai déjà joué en club et je joue actuellement en fait en club, mais vu qu'il y a eu le Covid là, bah du coup c'est en pause. J'ai joué quand j'étais petit, 2 ans, où est-ce que j'étais gardien de but dans un club à Bordeaux. J'ai fait une longue pause avec le football parce qu'après j'ai enchaîné avec le rugby qui m'a pris peut-être 5-6 ans. Et j'ai fait une année dans un club de district à Bordeaux avant que je parte à Strasbourg. Et là cette année du coup j'ai recommencé dans un nouveau club à Strasbourg aussi. Et mon poste c'est sur le couloir gauche ou droite, ça dépend de où est-ce que le coach veut me mettre. Et je joue défenseur gauche ou milieu gauche, attaquant gauche, enfin comme vous voulez, mais sur le couloir quoi. Et ma paire favorite, je vous avoue que c'est les Nike Mercurial, mais bon, faut avoir de l'argent pour les acheter. Du coup je les ai pas et je suis avec des Nemesis. De Nemesis? Nemesis, je crois que c'est Adidas Nemesis. Hein. Frérot, pour toi, qui de Vinicius, Mbappé ou Haaland sera le joueur le plus fort? Aucune idée. Étant français, je dirais Mbappé. Quel est ton geste technique préféré? Sinon, continue, je te kiffe. Merci mon frérot. Ouais, j'en ai pas vraiment. Je dirais que celui-là que j'utilise le plus, c'est un truc très simple, c'est le crochet. T'aurais aimé être footballeur? Si oui, tu jouerais dans quelle équipe? Bien sûr, bien évidemment qu'on rêverait tous d'être footballeur, la carrière, la moula. La moula. Du coup, si oui, dans quelle équipe? Je dirais les Girondins de Bordeaux. Voilà, bien évidemment, c'est un club qui est dans mon cœur, donc ouais, j'aurais bien aimé la jouer là-bas. Ou autrement, sportivement, je t'aurais dit, un club que je supporte aussi, c'est Chelsea. Bon et voilà les frérots, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura fait plaisir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. On se retrouve très prochainement pour une F2, si la portez-vous bien les gars, c'était Chris.